Les organisateurs pour leur invitation. J'imaginais pas prendre la parole ici, mais je résiste pas, en fait, comme nous sommes dans ce lieu, à l'idée d'interpeller un petit peu les différents parlementaires français. Alors, je suis très heureux d'avoir lu les témoignages, notamment de nombreux parmi vous, d'acteurs de la vie politique ivoirienne. Mais de notre point de vue, on prend vraiment très au sérieux le fait que la politique étrangère de la France, elle est menée au nom des citoyens français. Et c'est à ce titre qu'on a envie d'interpeller un petit peu les parlementaires ici présents. Tout à l'heure, il a été dit que ce matin, il y avait un colloque sur la présence française au Mali. À notre sens, la question de la présence française est beaucoup plus large que ça et devrait s'étendre à l'ensemble de l'Afrique. Je parle notamment des bases militaires permanentes de la France, notamment celle de Port-Boué, bien évidemment, mais pas seulement. Et à ceci s'ajoute aussi le fait que la France place un certain nombre de diplomates aussi bien à l'ONU qu'à la Cour pénale internationale, par exemple. Les magistrats français qui sont nommés là-bas sont plus des diplomates que des magistrats. Comment ça se fait ? Par ailleurs, à l'ONU, depuis 19 ans, sans discontinuer, c'est systématiquement un Français, un diplomate français, qui est secrétaire général chargé des opérations de maintien de la paix. Comment ça se fait ? Est-ce que la France garde une telle crédibilité pour s'occuper des affaires de l'Afrique ? C'est vraiment la question que j'ai envie de poser ici. Je vous remercie.